Je m'appelle Patrick Schaffner, j'ai 45 ans, je suis capitaine à la CGN et aujourd'hui sur le bateau à vapeur la Suisse. Je suis à la CGN depuis 21 ans. Il faut d'abord que j'appelle la machine pour qu'il vienne aux commandes de la machine, le mécanicien. Puis après, moi je lui fais que de lui transmettre mes ordres, ce que je souhaite qu'il fasse. Le but c'est d'avoir confiance et puis que nous, s'il n'y a personne en haut pour diriger le bateau, bah, on ne peut rien faire. Et pour en haut, s'il n'y a personne en bas pour faire fonctionner la machine, on ne fait rien non plus. Donc c'est vrai que cette collaboration elle est très intéressante. Perpétuel mouvement. Ces bateaux, à l'époque, ils ont été faits pour le lac Léman. Tous les débarcadères sont adaptés à ces bateaux-là. Quand il y a du mauvais temps, du vent... Personnellement, je suis plus à l'aise sur un ancien bateau que sur un moderne, parce qu'un des bateaux parfaits. Des fois, on a des groupes de Français, Belges, Brésiliens, Grecs, Italiens qui prennent le bateau. Ça peut être assez international, c'est bien. Toutes les 1h30 qu'on grève. C'est un plaisir de travailler sur ces machines. Savoir que cette machine et celle du Simplon, c'est les deux machines à vapeur les plus puissantes d'Europe, montées sur les bateaux. C'est vrai que c'est grand. C'est gratifiant de pouvoir travailler là-dessus. Quoi. T'as travaillé aussi avec les deux personnes qui mettent les cordes. Alors si on est bien coordonné, c'est juste génial, c'est bien, c'est sympa parce qu'on est une équipe à travailler sur le bateau, on n'est pas le capitaine tout seul qui fait tout, voilà, ça me plaît.